sur mon chien. C'est très bien que tu veux aller. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de partager le trésor non plus. Cet après-midi, le père du petit remplira la caissette. Il la jettera gentiment à l'eau. Et je n'aurai plus qu'à repêcher ce qui m'appartient. Et alors, vous serez bien avancé. On vous arrêtera tout de suite après. Je crois que je suis vieille, mon Silas. Tu connais Mélissa? Bien sûr que non. Ce rat mouillé qui te lave les chemises, il n'est pas connu de Yapito Sandman. À bientôt. Vraiment pas avertir la police. Cette vieille sorcière n'hésitera pas à tuer les enfants. Tu te souviens de ce que nous a raconté Silas? Écuelles en bois, écuelles et cuillères entièrement sculptées à la main. Qui veut des écuelles? Des écuelles? Écuelles, cuillères en bois, sculptées à la main. Qui veut des écuelles? Des cuillères sculptées à la main? Ça fait une éternité que j'ai pas vu d'écuelles en bois. Petit! Autrefois au village, il y avait un sculpteur de bois. Et il passait comme ça tous les ans avant Noël. Tu viens de la campagne?
C'est dommage, mais tu les vendras pas en ville, bien qu'elles soient très jolies. Ah oui, c'est pas de la porcelaine. Où est-ce que tu habites? Ah, j'habite pas bien loin avec d'autres jeunes. Ou bien tu en veux? Ce que vous voulez. Je vais t'en donner 10, parce que c'est dans mes moyens. Tiens, voilà 15, parce qu'elles sont très jolies. Merci. Merci. C'est un peu rustre, mais je trouve ça amusant. Ça sera surtout pratique pour faire mes salades. Vite! Où est-elle allée? Chercher l'argent sur la rivière. Vous connaissez Mélissa? Non. Une lavandière. Une lavandière sur la rivière? Ouais. Quant à toi, t'as vie jamais de recommencer. Je te promets que je te fais avaler tes oreilles, compris? Allez vite, Silas! Tu crois qu'elle est déjà là? Viens. Où est Mélissa? Là-bas, au bout. C'est toi, Mélissa? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Où est l'aiguiseuse de couteau? Où est-elle? Je connais pas l'aiguiseuse de couteau. Tu mens! D'ici, je vais voir si c'est elle. Te presse pas, elle t'attend. Alors, c'est toi, Silas? Le petit qui a su séduire Monsieur Sandal? Ouais, la vieille sorcière. Les Sandal, la maison la plus riche. La plus élégante, ça oui. Ah, tu es tombé sur les gens qu'il fallait, tu sais. La vieille sorcière, où est-elle? Oh, ça, j'en sais rien du tout. Et puis, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est moi qui dois apporter le linge. Ah non, change pas de sujet. La vieille sorcière, elle était là. Ça sent mauvais. Où vas-tu, toi? Attends, j'arrive! J'arrive!
fait mal? Je deviens vieille, Silas. Où est l'argent? Où est l'argent? Oh, j'en aurais bien besoin, tu sais. Il faudra que tu t'occupes de mon os. Faut pas mourir, s'il te plaît. Tu m'entends? Faut pas que tu meurs. Ah, non. Quand j'étais jeune, autrefois, je travaillais comme trapéziste. Je peux te dire que j'ai pris l'habitude de tomber de plus haut. Ah, mon dos. Et l'argent. Où est l'argent? Le courant l'a emporté, vers la mer. Les Samdal ont prévenu la police, on va t'enfermer. C'est peut-être mieux comme ça. Vous savez qu'on devrait vous donner une bonne raclée à tous les deux. Vous nous avez fait une peur bleue. Et je voudrais bien que monsieur vous punisse sévèrement. Où vous avez trouvé cette écuelle? Je l'ai achetée dans le parc, un jeune garçon. Il boitait pas un peu, ce garçon? Il venait de la campagne? Oui. Il venait de la campagne. Il avait un poney. Godic! C'est Godic! Monsieur Sandal veut vous parler. Mais il faut que je cherche Godic! Tu viens maintenant avec moi, tu entends? Qu'est-ce que vous êtes allé faire une fois de plus dans ce quartier? Je l'avais pourtant interdit. Les gens sont plus décontractés? C'est une grande ville, tu sais. Et il y a des gens qui sont plus malheureux que les autres. Et ceux-là se regroupent et vivent dans le quartier pauvre. Et si on vient les regarder, ils n'aiment pas ça. Mais je voulais pas crâner devant eux en y allant. Rends-toi compte que tu pouvais te faire tuer. Non, je la connais bien, l'aiguiseuse. En fait, je crois que c'est une pauvre femme. Vous savez où elle est? Kerner l'a remise entre les mains de la police. Et je crois qu'on l'a emmenée à l'hôpital. Et Baldrian? Lui, par contre, en prison. Père, Baldrian n'y est pour rien. Il faut le libérer, et vite. La police ne le laissera pas sortir. C'est un fou. Mais non, il nous a aidés. Il ne faut pas qu'il reste en prison. Non, c'est pas normal. Il pourrait s'occuper de nos chevaux. Oh, ce serait bien. Nous avons Tobias. Oui, mais je suis sûr que Baldrian s'en occuperait bien mieux. Et Tobias serait beaucoup mieux comme magasinier. C'est une idée farfelue ou quoi? Il a dit que vous devriez acheter des machines à vapeur anglaises. Et Carnéole pourrait retourner à Venedig. Il a dit qu'il en avait envie. Vous m'avez demandé ce que je voulais. Eh bien voilà. Tobias pense qu'il faut acheter des machines à vapeur anglaises. C'est loin d'être bête. Bon, d'accord. Mais pour une période d'essai. Je suis sûre que ça marchera. Je vais chercher Godic. Qui? Godic! Godic!
voilà un déguisement. Un déguisement. Ah, tiens. Je suis contente de te voir. Envoie-moi. On fait un tour. Viens là. Silas, attention, voyons. Tu vas tomber. Voilà. Je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle un orgue. C'est comme si on jouait avec des centaines de flûtes. Tu vas voir, c'est beau. Tu vois, c'est ça. Ça marche pas. Bien sûr que non. Il faut qu'on souffle. Qu'on souffle ? Oui, envoyer de l'air avec des soufflets. S'il vous plaît, vous pouvez envoyer de l'air que je montre à Godic. Et tu apprendras le latin ? Un jour. Bon, appuie sur les touches. D'être très gentil. Et on mange beaucoup. Anna, la cuisinière, c'est la reine des pâtes. J'ai jamais autant mangé. C'est pas comme quand j'étais au cirque. Ou quand on était dans les marais. C'est pas pareil ici. Ils ont vraiment tout. Il pourra inviter les enfants du quartier. Tu paries ? Oui. Invite-les. Vous avez déjà mangé des spaghettis avec de la sauce rouge et des gros morceaux de viande dedans? Avec de la sauce rouge et des gros morceaux de viande.
Je dois avouer que ces enfants dégrossissent un peu Iapitus. Lui qui était terne et timoré, j'ai l'impression qu'il commence à prendre goût à la vie. Fabien Belder s'est plaint de lui. Il ne travaille plus aussi bien en latin. Il refuse d'apprendre le plus que parfait du subjonctif. Alors c'est la meilleure nouvelle de la journée. Je n'ai jamais employé le plus que parfait du subjonctif. Quand vous aurez fini de manger, vous repartirez chez vous. Alors. C'est bon, hein? Alors, Silas, c'est bon? C'est très bon. Ah. Ça me fera un bon souvenir pour plus tard. Un souvenir? Tu pars? Oui, je pars avec Godic et la Noiraude, mais je reviendrai un jour. D'accord. Tu vas du coup.